Aujourd'hui, le président Obama était en visite à Moscou dans le but d'établir une coopération avec le gouvernement russe. Il a décidé de rendre visite aux étudiants de l'école New Economic School Graduation dans le but d'établir un rapprochement. Je crois que sur les questions fondamentales qui prendront forme durant ce siècle, Américains et Russes partagent des intérêts communs qui forment une base pour la coopération. Ensuite, il a rencontré le président Medvedev pour lui faire part de ses intentions, puis le président Gorbatchev. Pour finir, il a rencontré Vladimir Poutine, le Premier ministre. De son côté, sa femme, Michelle Obama, était en visite à l'orphelinat Saint-Dimitri. En cadeau, elle reçut une poupée russe. Regardez vers l'avenir qui peut être construit si nous refusons d'être chargés par les vieux obstacles et les vieux soupçons. Regardez vers l'avenir qui peut être construit si nous établissons un partenariat pour le compte des aspirations que nous avons en commun. Barack Obama et Dmitri Medvedev ont signé un accord de la coopération. Puis, accompagnés du président Gorbatchev et de Vladimir Poutine, ils ont rendu hommage au soldat inconnu en déposant une gerbe sur sa tombe.